un grand tour. Ah, c'est parce que tu es avec vache, Anissa. Ok, c'est bien Anissa. Ok. Bien. Ici, je pense qu'il doit manquer. Non, il manque juste un peu de travail. Ouais. Sky. Enlève le sol, c'est bien. Ça va vous donner plein de métal. Ouais, ok. Ah, okay. On finit ça. On va demander de changer les zones et offrir. Pourquoi? Parce que généralement ils vont se mettre là pour me construire. Ça je déteste ces petites conneries. Mais bon, rien y faire. Hein? Je suppose que c'est la même chose pour toi. Tu construis à toi, bien sûr. Donc on va ajouter une zone. Non, une zone de toit. Ça, c'est pour toi, mon ami. Viens, ma chérie. Prends-toi ça. Voilà, je pense que les animaux n'ont plus à venir ici non plus. Donc retirer des animaux, ça, j'ai plus besoin. Il me faut du toit de 6. Voilà une bonne idée. On a du mal, hein. On a du mal. Ouais. On a du mal à les laisser trop intelligents. Mais bon, ça va. Voilà, on a du jus aussi ou pas déjà? Ouais, on a... Ah non, pas encore ici, bien sûr. Alors, on a ces deux composants pour les envoyer là-bas. Eh bien, tout se passe pas mal. Toi, mon cher ami, tu arrives. Dans un jour. Et tu as une humeur de 50%, 44%.
Alors, Best, on pourrait lui mettre une autre arme que ça. Mais j'ai encore d'autres personnes qui vont peut-être devoir changer d'arme aussi. Je me demande si j'ai pas des grenades quelque part. Ouais, Bud, t'es où? T'es là. Une fois que t'as fait ça, ma petite Bud, tu viendras prendre ça. Ensuite, pas lourde, c'est bon, maker, c'est bon, anarchiste, c'est bien. Ok. Retour manger, ma biche. En même temps, tu prends ça avec toi. Ah, il faut que je refasse aussi une toiture. Voilà, ici de nouveau ici. Bon, on a pris tout ce qu'on peut. C'est quoi ça là-bas? On voit du rouge. Nous avons un Fennec. Oh, Giro, t'es revenu. Ouh. Mais quel dommage, on aurait eu un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Allez, hop. Allô, c'est pour toi. Moi, j'aimais bien mon petit Giro. Fous pas le camp, ne pars pas. On va te nourrir, mon petit, on va te nourrir. Ne t'inquiète pas. On va te nourrir. T'as quel âge, au fait? Tu as 3 ans, mais c'est bien. Ah, j'avais une femelle. On aurait pu les accoupler. Ça aurait été génial. Bon, question au jus, on va être super bien tranquille. Bon, te fais pas tuer, hein. Allô. T'as quoi comme truc avec toi? T'as un flingue comme ça? Ouais, c'est bon. Tu dois y arriver, hein. On a un petit peu à manger. Ben voilà. Mon petit Fennec. Mon petit Fennec. Hop. Et tu viens dans l'abattoir, bien entendu, aussi. Parfait. Si on me vendait des chats, je serais très heureux d'en acheter. Ou même deux chiens. Même deux chiens, ça serait très bien. Des petits chiens, pas des gros chiens. Combien? 72, ça va. C'est bien, ça c'est... carrelage en marbre. Ce qui est étonnant, c'est que c'est du carrelage en marbre. Ah oui, ça me redonne un peu de marbre, mais ça me donne aussi de l'acier. D'où est-ce qu'il vient cet acier? Il me tire de l'acier à chaque fois. Il devait y avoir quelque chose en dessous, peut-être. C'est ça. Il y avait un carrelage en acier et au-dessus du carrelage en acier, il y a un plafond de pierre. Ah ben c'est bien. Ah bon? Non. Carrelage en acier et au-dessus du carrelage en acier, il y a un carrelage de marbre, il faut croire. Bizarre, hein? Ouais, ouais. Il est bizarre. Ouais. Moi aussi. 39. J'aime pas quand vous en prenez tellement que ça avec vous d'un coup, hein les gars. Quand même un peu cucu, hein. Dis-moi qu'il en manque que 39. Ouais. Ah oui, il t'en manque que 39. Ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Certainement pas 3. Alors, on va vérifier. Qu'il y ait quelqu'un qui me prenne 15 bidules d'un coup.
Alors, grizzly, par exemple, tu vas manger. Tommy, tu as pris combien? 4. Je sais pas que 4, il y en a 8 là. Pourquoi fois 4? Grizzly, tu manges. Tommy, tu transportes 4. Pourquoi tu transportes pas 8? Ça, c'est une bonne question. Hein. Transporte des joints, ok? D'or, anarchiste. Transporte des calcaires. Maker, tu dors. Tu dors. Toi, si j'en vois un qui me dit, moi, je transporte. Mais il n'y en a aucun qui transporte. Et donc, logiquement, il devrait me prendre tout d'un coup. Voilà, tu fais tout d'un coup. Tu en as combien maintenant? Tu en as 8. Ok. Bon. Tu n'as pas voulu faire, tu veux pas faire de... C'est marrant, ça. Il n'a pas voulu fusionner la pile avant, quoi. Mais bon. Alors, il y a quelque chose de bizarre. Je viens de voir Sky, qui n'est pas assez loin. On vient de voir que son sommeil a été troublé. Bon, on va te fermer la porte. C'est à cause que tu es là. Donc, il faut que je tourne le lit dans l'autre sens, que je le mette ici, tout bêtement, et ça ne se passera plus. Et tout simple, hein. Donc, Sky, je te lève. Allez manger tous les deux. Bon, on a raté votre période de sommeil, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça n'arrive pas tous les jours, hein, non plus. Je ne suis pas un tyran. Hein? Non, je ne suis pas un tyran. Un colon inactif. Déjà, libellule. Eh bien, ma chère libellule. On va désinstaller ça. On va désinstaller ça. On va désinstaller ça. Et on va désinstaller celle-ci. Par contre, j'ai Maker qui doit me faire, je sais pas, oui, un haut de forme, c'est bien.
pendant que Palourde s'occupe de faire son petit truc là. Fabrique un manteau. Eh bien, on est tranquille, on est bien, les petits enfants là. C'est Decker qui s'occupe de faire ça. Decker, je voudrais que tu te déplaces ici. Ici. Je ferme et maintenant tu continues à faire ton travail. Pourquoi ? Ben parce que comme ça, il est dans éclairé, voilà. Et il peut travailler 50% plus vite. Tout bêtement. Et encore. Oh, c'est ici maintenant. Pour avoir de l'acier. Mais de l'acier, j'en ai tout plein. Ensuite, nous allons regarder un petit peu, ouvrir ceci aussi. On a pas mal de place d'acier. Par contre, en uranium, on est très faible. On est très faible en uranium. On va demander de construire. Composants avancés, j'en ai plus que 3. Est-ce que j'ai fini ma recherche de cataphracte? Pas encore, ok. Ok, ils sont occupés. Alors, Imen, tu n'aimes pas enlever le sol, ma chérie. Il n'y a plus. Il n'y a plus. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut mettre les pierres? On ne peut plus en mettre. D'accord. Ça, c'est du gravat. Rimen, je ne crois pas que tu puisses déplacer. On va commencer à creuser. On va miner un petit peu tout ça. Alors, on va faire ça correctement. Un petit peu comment tu vis en largeur. Voilà, on va faire ça. Montre-moi jusqu'où tu arrives. Ouais, c'est bien. Au moins jusqu'ici. Même chose ici. Tu peux bien faire ça. Est-ce qu'on a terminé, mon ami? Nous voilà avec au moins 16 000 watts, donc 2, 3, 4, 5 générateurs à 4 000, ça fait 20 000 watts. Donc on devrait être bien pépère cette fois-ci. Hein. Donc en faisant une largeur de 11, ça ne s'écoulera jamais. Et puis vous laissez un espace. Hein. On va se faire une petite chambre ici également pour les blessés. On va l'ouvrir. Enfin, notre caravane est arrivée. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire là-dedans? Et est-ce que nous avons encore de quoi bouffer? Il me reste un plat raffiné, c'est tout. Le reste, ça sera du lait. Mais il va être malade avec le lait, sans doute. Donc, on va essayer d'acheter un petit peu de bouffe.
et les besoins des animaux. Ah, il y a des chats, mais un mâle et un mâle. Ça, c'est bien dommage. Je vais t'acheter quelques, malheureusement, un vin de cobaye, du lait. Bon, on va essayer de te vendre le lait, déjà. Et on va voir ce que tu me rachètes. Alors, de l'hyperfibre. Oui, tu as de l'hyperfibre. Yes. De la fourrure de Trumbo. Elle est beaucoup plus chère, hein. Tu vois la fourrure de Trumbo, là. Elle est plus chère que l'hyperfibre, c'est marrant ça. Hein, on verra après. On verra après. Tu veux de l'uranium? Oui, c'est très lourd l'uranium. Et du plastacier, toujours. Ensuite, un neuro-entraîneur sociabilité. C'est quoi ça? Ah ouais, la sociabilité, d'accord. Ah, c'est sympa aussi, ça. Ça coûte cher, hein, 757. Ça vous monte de deux niveaux, d'un coup. Pas mal, hein. Mais je voudrais une épée monomoléculaire. Alors, celle-là, elle fait quoi? Est-ce qu'on n'a pas une meilleure? On va aller jusqu'au bout, déjà. Et je t'achète tout en or. Il reste plus trop de sous, là. Ah, ah. Bon. Peut-être devoir un petit peu réduire, non. Bon, l'épée monomoléculaire, ça m'intéresse quand même bien. Elle fait combien de dégâts? Tout de suite, vous voyez que près de 30 points, il manque un poil, quoi. Ça, c'est, il la faudrait excellente, cette épée. Excellente, elle te découpe un membre. Là, elle ne te découpe pas le membre. Donc, en un coup, elle n'a pas fini en une fois, quoi. Et c'est l'intérêt de finir en une seule fois. Maintenant, elle coûte 2500. Je l'achète 2590. Ça m'intéresse bien, hein, parce que ça va quand même vachement bien m'aider. Hein. Et à me dire, maintenant, on va peut-être encore avoir une quête qui va m'en donner une, hein, une fois, peut-être. On prend ça, on diminue une autre quantité de trucs que je veux acheter. Mais il faut aussi un peu de bouffe. Ah. J'ai pas grand chose comme bouffe. Je vais prendre un chocolat. Voilà, trois chocolats. Je vais prendre. Il te faut mais 40 balles quoi que ça coûte ce truc. Ah, l'hyperfibre, je la prends. J'ai du smoke leaf. Là, c'est pas mal comme ça. Je t'aurais bien pris un peu de Trumbo. Le problème, c'est que je sais pas où j'en suis au Trumbo. Donc on va dire zéro pour le Trumbo. On va faire tant pis. On a pris l'uranium. On a pris le plastacier. On a pris l'épée, si je ne me trompe point. On a pris l'épée. On a pris l'or. Et je pense qu'on peut rentrer. Alors, on va prendre un peu plus de bouffe hein, pour ne pas avoir trop de problèmes. J'aurais bien pris des chats. Hein. Pourquoi je prends des chats? Ben, je les mets juste, ils mangent d'abord presque rien, les chats. Vous gardez 0,16. Ça veut dire 3 brutes. Il ne faut pas leur donner de plat, ceux-là.
trois brutes, trois trucs de brutes là. Ils avancent pas, ils font rien, mais ils sniffent. Voilà, reniflage. Et donc ils vont vous donner plus 4 par animal qui va être apprécié par son maître. Mais bon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé pour ça. Moi, je pense que on pourrait peut-être vendre un, je sais combien, 123 là. Un juvénile, là, je pourrais vendre un juvénile. Maintenant, je sais pas s'il va me, si je lui vends un juvénile, est-ce qu'ils vont, est-ce que là, tout va être bien remis? Je n'en sais rien du tout. Il n'y a rien d'autre à bouffer pour les années, pour mes dromadaires. Tant pis. Donc Jean, tu risques d'avoir faim, malheureusement. Tu risques d'avoir faim, mon ami. Mais prendre plus de plats va pas me servir à grand chose d'autre. Parce que 6, j'ai combien de dromadaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il faut au moins que j'en prenne. On va en prendre plus. 1, 2, 3, 4. Donc 2, 4, 6, 7 qui partent pour les dromadaires. Normalement, ils devraient être pépères après. Je devrais avoir suffisamment pour rentrer. Et il va m'en rester 3 pour chauve. Donc on va en prendre 4. Voilà. Et j'espère que ça va passer. Donc, il faut que je prenne plus que 16. Mais c'est aussi à cause que je n'ai pas... je n'ai rien pour les animaux, quoi. Et j'ai pris un peu de chocolat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un chapeau de... sur vos psychiques. Bah, tout ça c'est du normal. Casque de cataphracte normal, ça n'en vaut absolument pas la peine. Eh bien, on est parti. Accepté. Et on rentre à la maison. Ensuite, on demande à lui. Dans le raffiné, on va ajouter le chocolat. Raffiné, je veux que tu aies du chocolat aussi. Ça, tu vas être très content de manger du chocolat, mon ami. Voilà, tu as de la nourriture. J'espère que tu as du chocolat, hein? Ouais, t'as 3 chocolats. Ok. Il a été bouffé le chocolat. Et qui est-ce qui a mangé le chocolat? C'est pas toi qui a mangé le chocolat. Bah quoi? Ne me dis pas que c'est les. Bon, ma mère, elle va être tout content, il a bouffé du chocolat. Oh. Oui. Ah, il bouffe le chocolat. Il bouffe le chocolat. Ah, c'est des plats gastronomiques qui vont se bouffer. Ah oui, je pige mieux maintenant. D'accord. Stop alors. Je veux changer. Signation. Règle d'alimentation. Choisir. Venir raffiner. Et on va lui mettre le gastronomique aussi. On changera tout ça après. Voilà. Et donc, Jean, tu es toujours en raffiné, je pense. Hein. Merci. Jean, tu devrais manger du raffiné, mais tu manges du raffiné, c'est bien juste. Ah, ben, je peux les régler d'ici. Donc, tu acceptes raffiné, gastronomique et chocolat. Bon, ben j'espère que tu vas pouvoir manger du gastro.
et ne pas avoir de gastro, surtout. Oh, que c'est bon. Ah, les petits gars, qu'est-ce qui se passe? Ils attaquent immédiatement, bien sûr. On les voit arriver ici. Ils sont tous ici. Et moi, j'ai personne dehors. Ok. Animaux. Animaux, mes petits animaux. Vous allez tous rentrer à la maison. Herbivore in. Et abattoir, là, tu es très bien, Fennec. Ça, c'est fait. Ensuite, planning. Tout le monde se met en colon in. Ensuite, vous allez tous me mettre un masque, les enfants, un casque, les enfants. Donc, toi. Allez, hop, au boulot. Et tu te prends un bouclier. Tommy, pourquoi je n'ai que 13? Bah parce que j'ai pas appris assez, j'en ai pas fait assez. Donc, on va. Ajouter, non pas un commando, mais un... Ils sont à combien, mes commandos? Même en bon, ils sont à combien? Ils font du 122. Au mieux de l'excellent, ils me font du... 100, presque 140. Donc on va demander de faire des autres. Donc on va arrêter avec les commandos. Et avec les casques, les armures de commando, je n'en veux pas non plus. On va ajouter, mais j'ai pas fini. Mais je n'ai pas fini. Donc pour l'instant, ben tu me finis tes trucs. J'ai pas trop le choix. Et donc, best, on va plutôt dire à anarchiste d'enfiler un casque. Excellent en métal et à best d'enfiler ça. Pourquoi? Parce que anarchiste, il est robuste, si je me rappelle bien. Ouais. Allons-y. Alors, best, est-ce que tu as une arme? Tu as ton minigun. Minigun, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser ça. Donc, tu vas plutôt prendre. Tu vas plutôt prendre ceci. Et Decker va plutôt prendre ceci. Et son casque, je sais plus où il est. Mais on verra bien. Ok. Mais non. Deux, quatre, six, sept. Je vais supposer qu'on va en avoir huit. Je sais que tu as quelque chose de... Bah, le voilà. Ok, c'est tous des petits quêtes. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que tu attaques? Tu attaques l'éolienne. Donc, ça marche pas. Ça ne marche pas, mon truc.
Ok, best. Grizzly, une fois que tu as fini ça, tu viendras. Là, dès que j'ai des gens qui sont faits, prêts, pas lourd, tu es prête. Ok, on dit ça. Pas lourd, t'es prête. Vache, t'es prête aussi. Ok. Tommy, tu y es bientôt. T'as pas besoin de ton truc d'énergie. Decker. Libellule, tu es prête. Dan. Dan. Tu es prêt, sauf qu'il te faut une autre arme que ça. D'ailleurs, tu vas venir faire comme ceci. Dan, tu me prends le minigun et puis tu viens. Ah, j'aurais voulu que tu viennes ici. Dan, équipé minigun. Ensuite, Libellule, tu viens plutôt là. Toi, tu peux faire ton étourdissement. Dan, tu prends le minigun et puis tu viens juste là derrière. Sky, pour le moment, tu enfiles ton casque de commando. On te laisse terminer. Anarchiste, tu enfiles un casque simple en métal, mais tu n'as pas encore commencé. T'as pas besoin de casque. Tu peux venir ici. N'as pas besoin de casque, en fait. Sauf pour mes mêlées. Bud. Bud, viens. Riemann. Allô? Dans le coin, je ne sais pas où. Il n'y a pas de pluie, il n'y a plus de place là nulle part. Voilà. Lisa. Tu te déplaces. Best. Ok. Vas-y, finis ton manteau. Grizzly. Ici. Tommy. Ici. Et Sky. Ok. Bon, vous m'avez pété un truc ou l'autre, mais ça va pas durer longtemps, les petits gars. On va s'occuper de vous. Tommy. Ok. Tommy, stop. Et stop. Maintenant, ils peuvent venir, les quêtes. On va essayer de ne plus trop perdre de bestioles. Alright. Par contre, j'ai oublié un truc, c'est surtout
essayer de nous trouver notre... Je sais plus qui est-ce qui a mis la grenade. La grenade, la voilà. Et il est où, lui ? Decker. Il est ici. Bud. Eh bien, plutôt ici. Decker. Là, ici. Ou plutôt, Rimen. Viens ici, Rimen. Voilà, Rimen, tu viens là. Ok, et ainsi, Decker, il peut venir ici. Lib, étourdis-moi ce gamin-là. Decker. Pas été assez vite. Tommy s'est pris un petit coup. Petite contusion sur la mauvaise jambe, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. Libellule. Tu ne peux plus. Mais tant pis. Voilà. C'est bon. Tout le monde peut rentrer à la maison, je pense que c'est terminé. On en avait pas grand chose, hein. Il y en avait que 7, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça va. Malheureusement, il m'a quand même pété. Donc, ça n'a pas fonctionné, mon petit système. J'aurais bien voulu. C'est marrant, ça, qu'ils ont quand même pu le faire. Mais bon. Donc, on a perdu une, deux petits trucs. On va directement, avant d'avoir des problèmes d'énergie, que nous ne devrions pas avoir, puisque tout est bien réparti, on va quand même directement le demander... Ceci et ensuite mes nouvelles éoliennes. Est-ce que j'ai encore besoin d'éoliennes? Hein? Je suis même pas sûr que j'ai encore besoin vraiment d'éoliennes. Certainement pas, non? Comme ça, ça pourrait se faire. Oui, c'était là que c'était. Ou c'était ici? Non, c'était comme ceci. Voilà. Et. Une seconde éolienne qui devait être au même niveau. Bon, je suis pas sûr hein, que ça vaut vraiment la peine, mais on va les prendre quand même. Hein. Voilà, Tommy, tu vas te faire soigner. Bah, tout le monde, là. À vous. Allez, rentrez correctement à votre aise. Tommy, je suppose que tu vas aller te reposer et je voudrais que tout le monde repasse en normal. Pas modifié. Donc les faucheurs, pas besoin de casque. Enfin, sauf pour les mêlées, bien sûr. Hein. Bien joué, Decker. C'est bien, c'est bon, mec. Et de nouveau, il faut bien entendu que je remette tout le monde en pas en herbivore, non, en
Est-ce que j'ai encore besoin d'aller en tout, moi? J'ai besoin que Libellule me repasse en corps structeur et tous les autres vont en tout. Alors, tout, c'est où? Tout, c'est là. Voilà, ils peuvent tout faire pour le moment. Les animaux, même chose, ils peuvent passer à nouveau en herbivore. Sauf tous ceux qui doivent rester là. Voilà. Ensuite, on va faire ça, on va faire ça. Ok, là, tout est parfait. Voilà, Tommy, c'est fait. Est-ce que Vache voudrait bien s'occuper de ce garçon-là? Bon, ben, dès que tu as fini de manger, sauf qu'il lui met quoi comme médoc, lui? Médoc simple, ok, c'est bien. Il n'y a pas de place. C'est qu'une contusion. Et bien voilà, petite rèche de terminer. On va rouvrir ici, remettre une porte. Donc, travail, je voudrais avoir une porte en métal. Et je voudrais démolir ça. Ok, merci. Stop. Donc juste après, tu vas démonter ce truc. Alors, shooter, moi je vais le renommer Giro parce que j'aimais bien Giro, j'avais l'habitude de Giro, donc je reprends Giro et je vais te renommer, où est-ce que je vais pouvoir te renommer ici, Giro, shooter, c'est quoi ça shooter, Giro. Bon, ça voulait rien dire, mais à part le Tour d'Italie en cyclisme. Voilà, on a récupéré Giro. Ensuite, mes besoins. Un organe a été prélevé dans 3 jours. Un petit coup d'amour encore, ça me ferait du bien, je vais dire. Beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Pourquoi? Alors, toi, mon ami, tu vas... Reste au lit, c'est bien. Pas de problème, tu ne m'embêtes pas. Bien que ça ne sert à rien, hein, mais comme c'est un lien chef-d'œuvre, il dort plus, il est meilleur. Hein. Mais sinon, ça ne sert à rien de rester dans le lit. Si, à moins... que vous n'ayez besoin de d'immunité, mais sinon vous n'êtes pas plus soigné. Donc si on regarde bien ici, tout ce que vous allez avoir de bonus, c'est ça, le facteur de la chirurgie. Mais une fois que la chirurgie est finie, il n'y a plus besoin. L'efficacité du repos, ben il faut regarder par rapport à ce que vous avez normalement. Hein, si vous avez un type de lit qui vous rapporte plus que ça. Ça, c'est l'immunité, justement, la réponse immunitaire. Normalement, elle doit être meilleure que le lit normal que vous avez. Qualité du traitement médical, même chose, vous voyez, c'est qualité du traitement. Donc le seul moment, la seule chose, normalement, qui peut être bénéfique, c'est le multiplicateur de la vitesse d'immunité. Même chose, si vous ajoutez le petit truc de... Oh, tu vois, qu'est-ce qui veut s'évader, là? Qu'est-ce qu'il veut s'évader depuis le temps?
Vous voulez vous évader? Vous avez faim, peut-être? 59-79%. Ok. Délai entre deux évasions, jamais. Délai entre deux évasions, jamais. Donc, je disais, la tête de l'île a le truc... j'ai oublié le nom. Architecte d'hiver. Donc, le moniteur du signe vitaux ne fait qu'une seule chose, c'est augmenter la qualité du traitement, la probabilité des actes chirurgicaux et le développement d'immunité. Donc, de nouveau, si vous n'avez pas besoin d'immunité, donc que ce n'est pas une maladie ou que vous n'avez pas une infection, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez l'éteindre dès que l'opération a été terminée. Vous voyez, il ne sert vraiment plus à rien. Ça consomme pour rien. Et en plus, vous savez que vous n'en avez besoin que d'un seul. Si vous mettez vos lits en quinconce, il suffit d'un seul qui doit être placé près de la tête de lit. Donc vous mettez un lit là, un lit ici, un lit ici, un lit ici, vous en avez quatre. Eh bien, un seul moniteur vital est suffisant pour au moins quatre lits. Voilà, vous saurez tout à ce niveau-là. Alors, celui qui essaye de l'arrêter, ça va être Jean qui n'est pas là. Je pense que Vache a bonne sociabilité. 12, Tommy. Alors, si je me mets ici et que je dis... Non, je ne fais rien de tout ça. On va attendre qu'il sorte dehors, qu'il essaye. Ils sont à deux. Ok, alors... Tu vas, Tommy, tu en es où là? Je pense que tu as à peu près guéri. Hein. Pas une confusion, mais tu as 121 toujours. Hein. Tu vas mettre ton casque. Voilà, on va mettre ton casque. Et comment ça se fait que tu arrives à ouvrir comme ça, toi? Tu te lèves, tu viens là. Bod, tu viens ici, ma chérie. Allez, Bod. Tenez, Bod. J'ai joué comme un pied. Hein? Anarchiste. Ah, ici. Bod. Viens ici, ma belle. Allez, fonce. Ah, voilà. Allez. 9 conditions. Ben dis donc, tu t'es fait avoir mal, toi. Ben, va te mettre au lit. Normalement, tu vas aller en retraite. Va te reposer. Toi, mon ami, tu vas déposer ton matos. Et tu viens un petit peu ici. Ouais, au boulot. T'as pris une arme? Best.
Ah, mais j'ai des trucs plus simples aussi, moi. J'ai des belles aussi qui peuvent venir dans le coin ici. Faire d'homme. Allez, Tommy, bute-moi celui-là. Capture. Non. Faire d'homme. Ouais. Là, je l'ai joué comme un pied, mon truc, quoi. Je l'ai joué comme un pied. Ok, libellule. Je me récupère ce mec. Non, pas comme ça. Mobiliser. On ferme. Et on lui dit de capturer. Et pas lourde, tu transportes. Ok. Et Tommy, tu vas te reposer, bien sûr. Il n'y a que toi et Bud, tu es pour le moment, tu es là. Ok. Allez, des médocs, correct. Vache, comment est-ce que j'ai pu jouer aussi mal que ça? Cela, c'est d'équerre. Où est-ce qu'il est d'équerre? Du bourse, je veux pas ça, je veux les presets de médical. Voilà. Qualité des soins, on sait que c'est vache et à l'eau. Becker, oui, il n'est pas trop mal. Becker, tu vas pas t'occuper de ça. Donc c'est vache qui va s'en occuper, comme d'habitude. Vache, tu viens t'occuper de Bud. Ensuite, Tommy, tu t'es pris 12 conditions dans le nez, tu t'es fait tirer dessus, au fusil à pompe. Ta jambe gauche, heureusement, n'a pas, eh bien, c'est une bonne des contusions. Donc tout ça va aller. On va te mettre quand même des bons médocs. Et tu vas être soigné par vache aussi. Tommy. Ah, parce que tu prends ça avec. Tu veux absolument prendre ça avec toi. Ha! Mais quel garçon fabuleux. Ok, on a une quête. Maintenant, je veux bien que Decker vienne soigner ces gens-là. Avec des herbes médicinales. On va les revendre, hein, mais j'espère que je ne vais pas me prendre maintenant tout de suite. Je serais très fâché de me prendre tout de suite un. Imaginez que juste un instant, j'ai un mec qui vienne. Dis-moi que tu as encore ton arme. Non, attends, pas d'arme. Hein. Matériel. T'as ta guenille. En plus, et toi, tu es à poil, ce qui est normal puisque tu aimes bien être à poil. Hein. Ok. Dehors, il fait 34 degrés, donc on peut laisser ouvert encore ceci. Ah, pourquoi est-ce qu'il s'évadait, ce mec-là? Comment est-ce que ma porte a pu s'ouvrir aussi facilement? Je pige pas bien. Ok, donc Tommy est là-bas. Ok, vache. Occupe-toi maintenant de Tommy. Alright. Alors, les capsules de la terreur. Anisamécanoïde, comme d'hab. Faire diversion à outpost. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur un premier temps inactive, elle peut être activée par un compte en rebours, donc ça on s'en fout beaucoup. On peut aller faire ça à outpost. On aurait quoi? Des ogives antimatières, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout un peu. Et nous aurions.
ni non psychique. Cellule de puissance instable, deux boucliers par balle. On s'en fout. Trois morceaux, donc c'est trois bidules. Une balise de l'arcage, c'est deux lanciers, sans doute un truc comme ça. Quatre ou cinq ou six, quoi, mais il ne devrait pas y avoir de centipède, donc. On donnerait ça à qui à... Au chauve, hein. Mais avant de faire ça, il faudrait que j'ai, admettons, une base là-bas. Tu vois, ici, il y a un problème maintenant, parce que vous ayez une, deux ou trois, c'est toujours 12 faveurs royales. Et ça, je ne trouve pas ça tout à fait normal. On va patienter un tout petit peu. J'ai droit à 6 jours et je suis un petit peu fatigué. Donc, je vais vous souhaiter une très, très bonne fin de journée, fin de soirée, début de soirée ou tout ce que vous voulez. À très bientôt. Merci à vous. Ciao.